si je casse. Pardon. Pardon, c'est parti. Alors que déjà Dasher il a déjà enlevé une stock, j'ai même pas regardé, what the fuck. Un 0 to death. D'accord. Ou le smash avec Hero. Oh joli. Et c'est parti. C'est reparti à Ivan. Ivan du coup. La dash attack into dash attack. Ouh, ça retente le down air encore. On va revenir tranquillement pour du côté de Dasher. Le down air qui va pas passer cette fois-ci. Il va juste faire les pourcents. Zer dash attack. Le pari up smash là de la part de Dasher. Est-ce qu'on va voir une autre dinguerie là de RNG sur ce match là comme sur la winners finale? Non, c'était la winner semi, pardon. C'est winner semi. Le Dandy qui va tuer. Enfin, très bien guide de la part de Kiro, mais ça suffira pas. Ça va revenir quand même. Heureusement, ça a gardé son saut de la part de Kero. Kero qui se fait saucer un petit peu. Je dis ça. Il a réussi à reverse le up smash là. Oh, Boum. Et de nouveau une bombe là. J'essaie de. Ouh, le pari sur le. Ah bah c'était sur ça, soit il se le prenait. Ouais, sinon ça aurait été un shield break je pense, donc bonne option de sa part. Alors que là on a un B qui est pas super bien anticipé la tornade. Ça revient. Le Dandy. C'est un shield qui était un peu. Jolie temporisation de la part de Kero pour éviter le. Ledge guard. Mais le Dandy cette fois-ci va encore toucher. Le contre. Le Dandy qui est très bien dégagé. 147%. Mais c'est le backer qui va toucher, c'est Dasher qui va remporter la première game. C'est parti, c'est revenu, et ça commence déjà fort, mais... Ouais. Échappe à la mort. Oh. L'animation de Luigi qui va... Oh, la vague. Le ledge trap de Dasher là qui va trouver un grab. Oh, intéressant. Ce coup qui était bien passé, il n'a pas trouvé le Dandy. Tandis que Kero est en train de passer de le merveilleux moment de sa vie à se couper la tête.
146%. Le Dotaïs. Le Dotaïs qui va pas toucher parce que Luigi il a décidé de s'allonger. Ça. Très patient du côté de la chance. Et le Sadie qui va toucher. Le Sadie qui va toucher. Mais 112% encore. C'est dangereux. Oh. Le Bambi. Bien d'y aller de la part de Kero. Baxro qui va pas toucher. Qui va pas tuer. Le bi pour revenir. Baxro, attention. Bonne phase d'avantage, est-ce qu'on va arriver à... Non, il est mort, on n'a plus de second saut. Il n'avait plus de second saut. Il a l'air de la tuer. Baxro qui est fraîche là cette fois-ci. Ça va tuer. Last stock sur cette game. Est-ce que Kero va réussir à recoller à 1 partout? Est-ce que Dasher va prendre la large à 2-0? Là, se joue en PO5 et puis Kero vient des losers, donc il gagne d'abord ce set là avant d'avoir un Z pour essayer de remporter ce jour quoi numéro 6. Non, attention, on s'attend de l'attaque chain par Kero. Il essaie de mettre un peu de pression. Encore une stroll. C'est un Lucky Mistfire avec les navets. Et il est mort. Beau snipe là sur le dernier navet. Permet à Kero de prendre cette deuxième game. C'est parti pour la troisième game là. Kero qui commence fort. Là, elle est encore 30% là, grâce au Stitch. Son Dasher a fait assez faible, il n'arrive pas à trouver ses grappes, trouver ses coups. Kero qui arrive à passer son jeu. Hein. Il se laisse pas faire, il reste en l'air la plupart du temps. C'est ça. Un peu, grave justement. Je parle du grave. Et... sur la dash attack, le nerf Natoshi là qui va finir. Dasher va revenir tranquillement. Life throw. C'est parfaitement bien spacé du côté de Kero. On aurait pu se trouver en très mauvaise position. Et encore ce backer là. Ce backer qui permet à Kero de, d'avoir deux stocks d'avance sur Dasher. Deux stocks d'avance, il monte 63%. Bon après c'est Luigi, donc ça peut monter très très vite. Ça peut monter très très bien. Attention, le throw. Oh, le backer qui passe. Dasher, le down smash qui est bien DI de la part de Kero. Backer qui va tuer. Stock. Compact sur ce. Oh! Et on n'a pas le. Pas le 0 tout à fait. Dasher, mais ça fait quand même de beaux pourcents là. C'est beaucoup de pourcents en effet. On a juste plus de retard. On a essayé, on a tenté, c'était tentable. C'était largement tentable. Ah, ça aurait pu passer. Bon, il va tenter. Mais... il tente le B là-bas. Il tente le B, mais oui, il a une story de retard. Hein. Oh! Oh non! Oh non! Oh non! Kero qui utilise la chance encore une fois. Non, Kero, en vrai, arrête. Arrête. Pour calculer la chance.
après ce serait 3 d'affilée là. Ouais. 2-1 pour Kero. Avec une chance sur 0,000006. Comme ça. Oui bon, un millionième de chance. Alors ça après c'est d'en choper 3 d'affilée donc c'est un peu plus du coup mais... Il a eu de la chance. Il a eu de la chance. Ouais mais ça c'est 3 d'affilée. Oui. Dandy, ça tuera pas. Mais là c'est d'achat. En tout cas on a un peu, voilà, on a un peu la situation inverse de la game 3 avec cette fois-ci Dasher qui trouve beaucoup d'ouverture. Stitch. On a un Stitch qui est gâché. Stitch qui va être gâché. Bon. On a un écart de 100% entre les deux. Toujours pas de stock de prise, mais bon. Ah bah justement, je parle et voilà. Donc, Dasher plutôt bas pourcent. On va voir ce que Kero peut faire. En tout cas, on a l'inverse de la game 3 pour l'instant. Le Misfire. Le Misfire qui place Dasher. Très très loin du ledge, il va donc pas pouvoir reverse Kero. Toujours cette tornade qui est éprouvée, tornade extrêmement utile dans le pour Luigi. Oh, bon B qui est trouvé. Bon, deuxième B qui est trouvé, le 7 du pas parce que Kero a très très bien. Non, pas de troisième. Pas de troisième, Kero... puis cette fois-ci sur un smash. Voilà, Kero trouve la stock. Le Dota is 25%. L'astro. Dunby qui tuera pas. Ça, c'est le combo Red and Bottom. Luigi, là où on est plutôt Upbeat. Dunby. Ou Upbeat, sur la situation. Le up smash, c'est possible à passer. Joli up smash. Le Dota est encore. La chance de Kero sur ses. sur ses Trois bouts, on a plein de Dota. Avec un game, ça fait déjà 2 ou 3. Le side B là qui va toucher sur le feu. Dommage le forward smash qui aurait pu prendre la stock, je pense. Oh oui, super ledge guard de la part de Kero. On permet quasiment de... even, même si on est un petit peu en mauvaise posture du côté de Kero, ça fait déjà 45%. Il faut faire gaffe au dasher. Attention. Et... Oh. C'était parce qu'on n'arrive pas, trop à trouver les du côté de dasher. Qui continue de mettre la pression au ledge. Kero qui est. Attention avec ses backers. Kero qui. Il a repris notamment le contrôle du stage. Il va se reprendre un backer. Très brièvement. On a tenté le. La punish là sur le. Ça tente. Hop, hop. Ah. Et mais non, oui, le down smash va toucher. Il va prendre cette game. Deux partout. Deux par C'est parti pour la game 5 de cette grande finale. Balle de match pour Dasher, balle de reset pour Kero. Balle de break. Ouais, balle de reset, oui. Attention. Oh. Et non, ça va pas. On n'arrive pas trop à trouver les seconds coups du côté de la chambre. Bon, après, c'est logique parce que c'est une séquence assez. Je pense que sur Twitch, c'est un peu dur parce qu'elle est flottie et assez légère. Justement, voilà. Ou le deuxième landing hit, je crois qu'il passe pas. Ou il est obligé d'aller sur le upbeat de suite. Ou il doit attendre d'atterrir d'abord avant de faire le upbeat, sinon il sera moins puissant. Donc la downbeat pour atterrir. La dash attack. Cache le landing. Attention, dans throw, dans B, ça tuera pas, mais ça met Kero dans une situation inconfortable. Et cet inconfort est transformé par ce backer.
touche, ouais. Attention. Dash attaque de Kero. Dasher qui est assez confortable là. 84% sur sa première stock. Est-ce qu'on va arriver à prendre stock sur cette phase d'avantage? Non, apparemment. On a tenté le backer. Le backer qui tuera pas. Le snipe au Navé qui va permettre à Kero de dégaliser son niveau des stocks. Mais 85% déjà. Kero en désavantage, Kero qui va revenir tranquille sur le ledge. Là, cette... Mais une get up à 4 bien trouvée qui va aller contester. Oh, malheureusement, cette tornade tue. La tornade tuera. Dasher 36%, Kero, la stock 0%. Est-ce que c'est la dernière stock de Kero dans ce jeu quoi? Peut-être. La F-Throw. On a une phase d'avantage. Peut-être Kero, est-ce qu'on va trouver l'opportunité de prendre la stock de Dasher? Le backer. Peut-être un backer de trouver ici. Là, attention, attention. Attention, on est à très très low pourcent. Le down smash qui va être puni par ce bi instant trash kill qui va louper, qui permet à Dasher de remporter ce jeu quoi 7 devant Kero. Deuxième et troisième moi-même. Très très bonne paire. Ça n'empêche.